De toutes les agressions que l'homme fait subir à l'animal, la corrida est sans doute la plus horrible. Parce que par-delà le paravent des impostures culturelles ou de l'art, il faut se rendre compte de ce dont on parle. Songez un instant à ce que vous ressentez lorsqu'on fait une injection dans votre dos. Eh bien là, ce sont des crochets que l'on enfonce, des pointes que l'on enfonce dans les muscles, dans les os, dans les poumons d'un animal qui pendant 20 minutes va agoniser. Il n'y a pas pire, c'est la torture érigée en spectacle. Le Code civil français vient de reconnaître que l'animal est un être vivant doté de sensibilité. Je n'hésite pas à dire que ceux qui vont voir ce genre de spectacle sont des individus dépourvus de toute sensibilité. C'est la définition même de ce que la psychiatrie appelle la perversion et le sadisme, c'est-à-dire le fait de jouir de la souffrance d'un être, de tirer de cette souffrance un plaisir, une satisfaction. Il faut abolir la corrida. C'est indispensable pour l'animal qui est torturé, mais c'est aussi indispensable pour la dignité de l'homme. Parce qu'aussi longtemps qu'on aura ce genre de spectacle, on pourra être inquiet sur ce que nous sommes.